magasin Coupon des établissements Les Deux Fonds et la Paire, en direct des studios de TVN, c'est la roue magique, avec votre animateur préféré, Michel Giffy. Bienvenue à cette roue magique. Regardez, vous allez les voir, ces candidats, ils font plaisir à voir. Et c'est Roger Rogers qui va nous les présenter. Roger, à vous. Premier candidat, Georges et Josiane Sand qui nous viennent d'Albi en voiture. Josiane Sand a la passion des vélomoteurs, elle en possède 4. Quant à Georges, Georges Sand, il a la passion des saucisses, les fameuses saucisses d'Albi qu'il collectionne, il en a plus de 350. Les seconds candidats, Philippe Gildas et Maryse qui nous viennent de Paris en hélicoptère. Philippe a la passion de la TV, il en possède 4, dont 2 déclarés. Et Maryse, la passion de la radio. Alors Maryse, la dernière radio en date. Eh bien, c'est une radio très rare puisqu'il s'agit de la radio du nez de Jacques Martin, juste avant sa 37e opération, sans parler des autres. Bravo Maryse, très sympathique. Et merci Roger. Bien, mes chers candidats albinos, si j'ose dire, puisque vous venez d'Albi. Très bonne humeur qui règne sur ce plateau. Donc, Albi et Paris au travail, on va vérifier avant toute chose les champignons. Parfait. C'est parti pour le mot mystérieux. Premier indice, écoutez bien, on la bourre bien avant de partir en vacances. Georges. La Gisèle. Non, Georges, c'était un piège. Il ne s'agit pas de la Gisèle ou Gisou, la pulpeuse péripatétipute de la rue Saint-Denis. Philippe. La valise. La valise, Philippe, bravo, Philippe, oui, la valise. Très beau départ pour Paris. Deuxième indice, en voilà une qui prend son pied tous les jours. Philippe, Georges, pardon. La Gisou. La Gisou. Non, il ne s'agit pas de la Gisou, Georges. La chaussure. La chaussure, oui, Philippe, bravo. Bravo. Troisième indice, écoutez bien. Il vaut mieux. Oui, Georges. Non, j'ai pas appuyé sur le champignon. Troisième indice, donc, il vaut mieux l'enlever devant une dame. Josiane. Sans pantalon. Non, Josiane. Maryse. Son chapeau. Oui, Maryse, son chapeau. Bravo, ma petite Maryse. Quatrième et dernier indice, les durs, les machos, l'enfilent tous les matins. Le Marcel, oui, Georges, oui, Philippe, le Marcel. Bravo, quelle culture, quelle leçon d'humilité formidable et quelle effusion du côté des albigeois. Tout cela fait réellement plaisir à voir. Alors, le mot mystérieux, Josiane, Georges, Maryse, Philippe, je vous rappelle les indices une toute dernière fois. Valise, chaussures, chapeau et Marcel, quel est le point commun? Georges. Le lacet. Le lacet, ce n'est pas idiot, mais non, Georges, il n'y a pas de lacet sur le chapeau. Maryse et Philippe. Ornithorynque. Ornithorynque. Désolé, non, ce n'était pas idiot non plus, Philippe. Il ne s'agit pas d'ornithorynque, je vous aide avec le dernier indice. On peut se le taper à 32 ou à 52. Josiane. Pedro. Pedro, non, il ne s'agit pas de Pedro. Un grand blond, très baraqué, gaulé, quand même, assez bien membré. Il ne s'agit pas de Maryse. Le carton. Le carton, eh oui, le carton, bravo. Bravo Maryse, bravo Philippe. Valise, chaussures, chapeau et Marcel. Eh bien, valise en carton,
carton à chaussures, carton à chapeau et Marcel, carton, bravo! Pour Maryse et Philippe de Paris, ce magnifique téléviseur JWC, écran carré, coin plat, vendu 8490 francs, mais fabriqué à Taïwan pour 17 francs! Mais Philippe, tu gagnes aussi ce magnifique magnétoscope Ritachi. Enregistreur, lecteur de cassettes avant-arrière, il avance, il recule, comment veux-tu, que je te fasse livrer, tu habites au 5e, sans ascenseur! Merci, Roger Rogers. Tous ces magnifiques cadeaux, Philippe et Maryse vont peut-être les perdre. Oui, et repartir chez eux sans rien, pas ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tout dans la roue magique peut basculer pour, en faveur de Josiane ou en plus. Non, attendez, 2 minutes, attendez, 2 secondes, non ! L'image du jour, ils ne s'étaient pas revus depuis 50 ans, mais ils se sont tout de suite reconnus. C'était hier à l'émission de Patrick Sabatier, Avis de Recherche. Gontran Merlier, petit chanteur à la croix de bois, retrouvait ses anciens petits camarades. 50 ans après, l'émotion était à son comble, les couches culottes aussi. Si les voix sont un peu plus chevrotantes, la pureté est toujours là. Écoutez plutôt. Cette réunion valait bien l'image du jour. États-Unis, Michael Dukakis se reperdant, des témoignages de sympathie continuent à affluer sur son bureau. 2, puisqu'il y a une facture. Du téléphone d'ailleurs. La femme est là ? Non, elle s'est tirée. États-Unis, à l'inverse de Nancy Reagan, Madame George Bush n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Est-ce pour cela que son mari tente désespérément de la cacher, vous le voyez ? Rentre. Rentre, je dis. Non. En tout cas, les faits sont là. C'est un tas de boue. Un véritable tas de boue. Vous le venez là. Afrique du Sud. À la question « Quel signe d'apaisement allez-vous faire en faveur de la communauté noire d'Afrique du Sud ?» Peter Botta a répondu ceci. Voilà. Ouais, je lève le sourcil, sous les chefs d'autre maintenant. À mon âge, enfin, je ne peux rien lever d'autre. Abandonné sur la route des vacances, Rex, peu habitué à la rue, panique dans le trafic, visiblement affolé. Heureusement, très vite, il trouvera un nouveau maître, un beau roman, une belle histoire. Éducation. D'après un rapport du ministère de l'Éducation, 70% des garçons se disputent, voire se bagarrent, pendant la récréation, et 5% utilisent leur cartable. Rappelez-vous, c'était hier. Pour Jacques Delors aussi, 1992, bientôt l'Europe. We must all participate. I repeat, we must all participate. There is a great challenge before us. It is only by relying on our own strengths that we'll be able to resist adverse external pressure. Cinéma, tout va bien pour Claude Lelouch puisqu'on est en train de tourner un remake d'Un homme et une femme. Regardez cette fameuse scène révisitée par nos amis nippons. Gageons qu'en voyant cette adaptation japonaise, Claude Lelouch ne se fera pas harakiri. Mode. Après Yves Saint Laurent aux États-Unis et Pierre Cardin en Chine, c'est au tour d'André Courrèges de se risquer à l'Est. Le voici à Tchernobyl, en train d'essayer un slip. Prochain midi pile, demain, midi pile. Et oui, et c'est la raison pour laquelle Josiane le bison du Wyoming marche-t-il ainsi à la saison du rut. Ce n'est pas grave, Josiane. Josiane, allez-vous tenter la roue magique? J'hésite. Je m'en doute. Je doute. Ça me tente. Vas-y. Je tente. Ça me broute. Bon, rentre.
Josiane, c'est peut-être l'occasion pour vous de doubler votre mise si vous faites bien sûr plus de 75. Josiane, la France entière est suspendue à vos lèvres. Je vous en prie, modérez vos expressions quand même. Que vais-je parler du... Alors, Josiane. Eh bien, je tente la roue magique. Elle tente la roue magique! On appelle donc une nouvelle fois notre charmante Nadia! Alors Nadia, vous allez être, eh bien, ma foi, la main de la chance de Josiane. Ça va aller? Ça va aller, j'ai un peu le trac. Un petit peu le trac, allons, une speakerine de votre métier n'a plus le trac. Trois essais, c'est parti! Plus de 75, attention! J'y vais! D'accord! 1, 2, 3, Josiane, encouragez notre charmante speakerine! Eh bien, le suspense reste donc entier. On se retrouve donc demain sur TVN, la chaîne où tourne la roue magique.